La cigogne et la fourmi. À toi,
Io ti conosco. Uno, due, cinque. Dormi a bambina, ragazzina mia. Il est enthousiaste.
quel que duc a investi, et ce sera le pactole. Le pactole et la gloire. La gloire de mon père. Quel que duc a cédé, dit, hein. Ça se voit que ce ne sont pas les vôtres. Comment pourrais-je? Et pourquoi donc tous ces 18? Eh bien, 18, c'est comme 13, un chiffre porte-bonheur. Le nôtre. C'est notre âge, à nous deux. 18 ans de félicité depuis notre adoption. Un hommage à votre générosité et à votre amour. Tant d'amour et de sacrifice pour nous consentir. Et quelques ducats seulement pour un spectacle inoubliable et divin. Et des milliers de papillons qui volent sur scène. Je vais vous dire, sœur Doteret, il faut se débarrasser de ces enfants. Sœur Pantalone, êtes-vous certain que ce soit totalement prudent? Oh, sœur Doteret, pensez à tous les ennuis que nous évitons. Ne sont-ils pas crédibles? Oh, père, regardez cette toilette. Quelle élégance! Je vais aller voir cela d'un peu plus près. Et quelle opportunité vous nous offrez de venir parmi toutes ces foules venues de Europe. Vite, il me faut un musicien pour écrire un hymne à la joie que je ressens en ce moment. Que vous avez-je dit? Voici nos poules aux œufs d'or, lâchées au milieu de ce qu'il se fait de mieux en matière de bourse. Il n'y a plus qu'à attendre, ça va mordre. Excusez-moi, monseigneur, mais venez-vous de parler d'or? Oui, non, vous avez... Ah, pourquoi? Ah, monseigneur, ne croyez pas que je m'adresse à vous en vue de vous spolier. Nein, je me présente. Je suis le seigneur capitaine Hans Almut Strudel, fils de ma mère. Et de mon père, depuis ma naissance. Ich bin de qualités. J'ai longuement étudié les origines de cette crise sans précédent. Qui, voyez-vous, plonge ses origines dans vos poches. Regardez vos mains dans vos poches. Mille excuses, Sura, je ne serai pas vous importuner. Je dirais simplement la qualité exceptionnelle de votre brocard. Il met splendidement en valeur votre... Des guitares. Vite, je sens l'inspiration qui monte. Et on la met pas en rêve, alors là, pas question. Peter, vous ne comprenez rien à l'art. Enchanté. Surtout, milady, ne soyez pas sorry. Ah si, je souris, regardez. No, you don't understand. Repeat after me. Souris. Souris. Une souris. Hein? Vous permettez? Yes. Oh my God. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Lord Mac Guinness, duc d'Écosse, grand amateur de musique et de femmes. Fameux accord. J'aimerais, comment dit-on déjà chez vous? Oh, yes, tailler le bout de gras au sujet de votre wonderful organe. Il est splendide. Je m'amuse beaucoup avec depuis que j'ai compris ce que je pouvais en faire. Oh. Mais mon père me dit toujours de ne pas trop pousser sur mes cordes vocales, sinon... Le cours de l'immobilier s'effondrera à Venise. Tout cela à cause de ses primes inférieures, ses sous-primes en quelque sorte. C'est pour cela que nous nous réunissons. C'est un petit peu le sommet de la dernière chance. Le plus difficile sera de faire comprendre au menu peuple qui devra se serrer la bretelle. La ceinture. Basse. La ceinture. Car voyez-vous, les bretelles seront inventées au 19e siècle et nous ne sommes qu'au 18e. Elles serviront à soutenir... Et votre gorge. Vous devriez préférer un rubis. Il mettrait davantage en valeur l'éclat de vos cheveux. Oh, ma gorge, mes cheveux. Il me semble que vous outrepassez un peu les bornes. D'ailleurs, pour compléter votre toilette, vous devriez faire comme... L'oiseau. Servir pur et l'eau fraîche, un oiseau. Et jamais rien ne l'empêche, l'oiseau. Et allez, allez. Sur scène.
Mais si, je rêvais tellement. Accueillir tout le V12 afin de recueillir tout ce que ces grands hommes sont prêts à faire jaillir de leur bourse. Tous les ducats rassemblés seront alors réunis dans une seule et même bourse en cuir. Oh, par sa marque, ça va être une bourse gigantesque. Il doit falloir des femmes comme vous pour la porter. Sachez, jeune homme, que je ne suis point du peu de vos flatteries. D'ailleurs, je trouve qu'elle me boudine un peu, non? Je vous assure qu'aucune femme n'a jamais autant produit de laine tellement sa toison était touffue. Yeah. Car savez-vous, chez moi en Écosse, les moutons sont. Ceux qui financent actuellement la bourse, ils seront les seuls, entendez-vous, les seuls à échapper à la crise si celle-ci se présentait. À condition de bien les placer. Dans les tréfonds de ma personne. Avez-vous remarqué mon. Ah, regarde! Il reste encore des places dans les gondoles. Ah, oui. Bravo. Oh, merci. Bravo. Rien que de penser. J'en ai mal au cœur. Ah, si j'aurais su. J'aurais pas voulu. Ah, si j'aurais su, j'aurais choisi une autre date pour notre comeback. Notre quoi? Notre comeback. Laisse tomber, c'est juste que je trouvais que ça sonnait bien pour notre public. Public? Quel public? On ne connaît plus personne ici. On aurait dû rester à Septembre. Ah bon? Et c'est ma faute, peut-être, si on n'a pu y rester. Ah, c'est ma faute à moi. Qui s'est fait prendre en train de peindre un graffito vulgaire sur la chapelle Sainte-Croix, qui? Moi? Mais ce n'était pas un graffito vulgaire. Ah bon? C'était simplement une belle... Oui, et qui? Qui s'est fait prendre en train de jeter un cajot de pomme sur la tête du curé? Oui, c'était moi. Mais je faisais une expérience. Je ne pouvais pas savoir qu'il était en dessous. Et puis, ce n'était pas d'une très grande gravité. Raconte, au début, tout le monde était heureux. Tout le monde chantait. Tout le monde plumait. Ouais. Allez, chante Marcel. Et soudain, le doge a ouvert sa bourse. Une bourse gigantesque, énorme. Et de l'or, des ducats, de l'or, des ducats. D'ailleurs, il y en avait tellement qu'il a fallu une charrette de 10 chevaux pour la transporter. Et de l'or, et des ducats, de l'or, des ducats. D'ailleurs, la charrette, on l'a appelée la Ducati. Mais c'est parfait. On prend pour quelques poils. Non, t'es plus possible. T'es plus possible parce que tout est tombé. Plouf. Allô. Tu veux dire qu'ils ont tout laissé tomber? Eh bien, disons qu'au moment où ils ont voulu transporter l'or, le mettre en sûreté sur la gondole, quand ils l'ont soulevé, je craque. Tout est tombé à l'eau. Plouf. Ah oui. J'ai tout entendu comme je vous vois. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai eu l'honneur d'assister au premier krach boursier de l'histoire! Silence! Le V12 est derrière et c'est très animé. Tout le monde parle en même temps. Alors, c'est grave, docteur. Eh bien, voilà. C'est plus incessant, on fait plonger la monnaie. Et comme votre doge a peur de se mouiller, il est allé couler le parfait amour avec une invitée, une grecque. Et surnommée Feta. Que me chantez-vous là? Notre doge va très bien, misogyne, comme toujours. Il n'aurait jamais invité une femme à son bédouf, encore moins une grecque. Je vois là un trou de serrure qui me fait de l'œil. Allons voir. Oh, exactement ce que je disais. Aucun jupon à l'horizon. Encore heureux, comme dit le proverbe. Femme au bédouf, bonjour là. Partout. Partout les seins. Jamais vu de table pareille, et le doge n'est plus là. Abou, Pita, c'est Tadziki. Alors, il ne se dispute plus. Décrivez-nous la table. Les desserts, c'est quoi les desserts? Non, mais est-ce qu'il y a du tiramisu? Mais enfin, de quoi parle-t-il? On a tout le même droit à l'information. Enfin, taisez-vous. Chut. Taisez-vous, je ne vois plus rien. Oh, j'aperçois la veste rouge du colonel. Le moutarde. Strudel, il est dans la bibliothèque. Avec un chandelier. Mais pas du tout. Avec
un Anglais alors. Non, c'est un Écossais, mais c'est à peu près pareil. Ils s'appellent tous pareil. De toute façon, ils s'appellent Mac-Mac-Mac-Gaïmol. Mac-Mac-Inconche. Macaroni. Mac-Cabane au fond du jardin. Mac-Culotte. Mac-Macarena. Hoi. 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 C'est Mac Guinness. Il s'appelle Mac Guinness. Oh là là là. L'Écossais arrive, filon à l'anglaise. Faites semblant de rire. Oh la vie, oh bada. C'était un véritable plaisir de converser avec vous. Joli l'œil. Messieurs, messieurs, c'est 57 ans, c'est insensé. Quoi ?
Je compte de rester bon lorsque Miss Isabella. Bella. Dévoile aura son choix. Sans nul doute qu'elle va adorer mon petit présent. Une cantatrice comme elle aime forcément les belles mélodies. Tout le monde sait très bien que la plus charmante des symphonies pour les femmes est encore la musique de pièces de monnaie. Sachez, Monsieur Guinness, que l'amour ne s'achète pas. Oh. Il y a d'autres critères pour choisir les lieux de son cœur. N'est-ce pas, Monsieur Strudel? Ah, les jambes, les hanches. Nom de Zeus, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Mais n'ayez crainte, nous allons faire un nouvel essai. Oh, non, please, stop, assez d'essais. Ah, c'est tout désespoir. Il va falloir tout revoir. Allez, au laboratoire. Lila, Champalon. Oh, ça ne fâche plus, là. Nous nous sommes perdus. Le long va monter et mes affaires vont se noyer. Mes affaires. Oh, ne peux pas le faire. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ben, ce ballon, je vous en prie, si vous êtes mort, répondez-moi. Oh, ce ballon. Oh, le ce ballon, il est mort. Oh, maintenant, je peux vous l'avouer, ce ballon. Oh, ben, comme je ne pouvais plus me soulager, alors je me suis mis à manger. À manger, oui, c'est moi qui ai volé toute la polenta dans le buffet. Alors j'en ai mangé, et puis mon ventre s'est mis à gonfler. Et adesso, sono così. Oh, mon fort, et tu es un génie. Chapalon, vous êtes revenu. Mon fort, et tu es un génie. Moi, Chapalon, un génie. Venise est sauvée. Grâce à moi. Oh, venez les amis, venez! Les amis! Les amis! Venez les sauver! Ah, et moi, j'investis dans le maïs! Tout à fait! C'est très simple! Nous allons profiter de cette eau qui va faire notre fortune! Nous allons irriguer partout, tout autour de la lagune! Vous comprenez? Non! Oh, yes! Wait a minute! Je commence à comprendre! Vous allez mettre du maïs partout autour de la lagune! Et cette plante est durement en eau, va alors absorber tous les excédents. Oh, et dissocier, Paul. Venise est sauvée. Oh, oh, mais qu'avons-nous perdu de ce maïs? Du papier à briser. Des galettes. De l'alcool. Du fourrage à bestiaux. Ah, du ratat pour les troupes. Du pop-corn. Yes. Et on le commercialisera à raison de 100 ducats la tonne. Vous voulez dire 80 écus? Soit environ 120 livres. Ou 65 marques. Oh, taisez-vous, je compte. Il serait quand même temps de passer à la monnaie unique. Ça ferait mes heureux. Hein? Et pour moi, je sais ce qu'on peut en faire avec la première récolte. Une polenta. Une immense polenta. Et tout le monde sera invité. Et vous, messieurs, vous m'accompagnerez. Oh, yes. Et comment fait-on la polenta? D'abord, on la plante. Puis elle pousse. Elle fleurit. On la cuit. On la goûte. On la coupe. Et on la mange. Une sorte de record du monde de la polenta vénitienne, en somme. Qu'en dites-vous, Sir McGuinness? Oh, lui, Heidi, je pense même la noter dans mon livre des records. Oh, Sir McGuinness, toujours prêt à se faire pousser. Exactly, my dear. Because Guinness is good for you. C'est bien ta la bella polenta, la bella polenta, c'est bien ta cousine, c'est bien ta cousine. Oh, 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 bella polenta, così, cha-cha-pou, 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 cha-cha-pou.